Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ranger une bibliothèque pour que ce soit beau. Parce que c'est vrai que la bibliothèque est utile dans une maison, mais ranger comme ça, je trouve que ça ne fait pas joli. Et comme on aime tout ce qui est beau, nous allons joindre l'utile à l'agréable. Donc, nous allons vous montrer comment ranger une bibliothèque pour que ce soit utile, parce que vous avez vos livres dedans et que ce soit beau. On va les ranger par couleur. Donc, suivez-nous. Merci. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de vider les étagères. Donc, avec l'aide de mes filles, on va vider les étagères et ensuite, on va classer les livres par catégorie de couleur. Ok. Donc, avant de... Vous savez qu'en termes de rangement, avant d'avoir un beau résultat, on a d'abord un grand désordre. Donc, c'est ça. C'est le désordre que vous voyez maintenant. Tous les livres et papiers partout. Le tapis. Sur le sol, sur le plancher, on a des livres un peu partout. Donc à ce niveau, on a vidé déjà deux étagères, comme tu le vois, la première étagère et la deuxième. Et les livres, on les a mis juste ici à côté. On va procéder à les trier par couleur. Ok, donc là, on met les livres sur le sol. On va libérer le banc pour pouvoir faire les piles de couleurs sur le banc. Parce qu'on a besoin d'espace. Donc tu regardes le dos du livre, à partir du dos du livre, tu décides de quelle pile, dans quelle pile tu vas le mettre. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on finisse d'organiser toute cette pile. Ensuite, on va continuer avec les quatre autres étagères qui restent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, après avoir fini de placer en pile la deuxième étagère, nous allons les mettre sur les premières piles qu'on avait déjà obtenues. Donc là, vous avez la pile de rouge, c'est la pile des bleus, la pile des bleus qui est au fond, encore la pile des bleus, on va rajouter la pile des verts. Prends soin de les mettre de telle sorte qu'on voit le derrière du livre. Donc déjà, vous pouvez avoir une idée de ce que ça va donner avec la sélection des couleurs. On a une petite pile de beige. C'est la pile de... Donc ça peut aller dans le beige. Donc ça, c'est la pile de... Là aussi. Okay. On pourra toujours faire des ajustements. La pile de noir, je pense. Les blancs. Ah, okay. Donc là on a fini pour le premier étagère. On va continuer à faire avec la troisième et la quatrième étagère. Donc pendant qu'une partie de l'équipe, parce qu'on travaille en équipe, continue de vider la bibliothèque et de faire les piles, il y a un autre membre de l'équipe, un plus jeune, qui va ranger déjà les livres, les décrier par couleur, qui va les ranger maintenant par taille, mais dans la même couleur.
Donc on va essayer de ranger les livres des plus grands et petits, du bas vers le haut. Donc c'est, on va faire le travail en même temps. Parallèlement qu'on vide la bibliothèque, on fait les plis. On va en même temps les ranger par taille, par chaque couleur. Donc je vous montre déjà le premier exemple qu'il a fait. Je vous montre, après je peux vous voir la pile noire. Et là ça a été rangé du plus grand au plus petit. Donc il va passer maintenant à la pile verte et à la pile bleue. Donc dans la progression du travail, on se rend compte que pour faciliter la tâche du tri, on a mis juste des étiquettes devant chaque pile parce qu'on était tout le temps en train de se questionner. Oh, voilà la pile blanche, voilà la pile bleue, voilà la pile jaune. Comme ça, le travail va plus vite. Donc là, vous voyez, j'ai mis une étiquette pour le vert, jaune, bleu, rouge, blanc. Et facilement, elles mettent les livres et les étiquettes sans trop perdre de temps. Et ça rend le travail plus facile. Et pendant ce temps, vous voyez bien qu'il y a le désordre parce qu'avant d'obtenir de l'ordre, on doit savoir par quoi on désordre. Ici, c'est les livres un peu fins qu'on va classer d'une autre façon. Et ici, j'ai mon ami ici qui continue son rangement par taille dans chaque groupe. Ok, donc là, on a assez de piles. La pile du rouge, de rose. Ça, c'est quelle pile encore? De blanc, de beige, de jaune. En tout cas, on a à peu près toutes les piles. Ici, on a les derniers piles qu'on a pu réaliser, plus de blanc. On a plus de blanc, plus de blanc, on a du rouge, du bleu, du jaune. En tout cas, on a toutes sortes de piles. Et là, je te montre la bibliothèque qui a été totalement vidée. Donc, c'est tout propre. Et on va retourner tous les livres dedans en respectant notre code couleur. Et là, nous sommes au deuxième jour, le lendemain. Hier, on était trop fatigués pour continuer. Donc là, on a arrangé les piles. 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 Et là, voici le résultat final de... La bibliothèque donne ça. Je vais m'approcher pour que tu vois bien. Merci d'avoir regardé. L'idée de ranger la bibliothèque par couleur, c'est une très bonne idée. Et je t'invite à essayer et aussi par le lien dans la description en bas. Merci.